أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue, welcome. Bienvenue à tous dans le majlis de Mawlana Cheikh Mohamed Nazim al-Haqqani. Dans le majlis des Awliya, bienvenue sous les ailes de Mashaykhina al-Kiram. Bienvenue sous les ailes des Awliya. Bienvenue dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, l'islam, est divisée en trois parties. L'islam, l'iman, l'ihsan. Aujourd'hui, quand nous posons la question aux gens, c'est quoi la religion? Ils disent que l'islam, c'est les cinq piliers. Shahada, l'attestation de foi, de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » La salat, la prière, qu'on dit dans la traduction en français. La prière, la salat, c'est pas la prière. Le mot prière ne peut pas représenter la salat. La salat, c'est la connexion entre le serviteur et son Seigneur. De venir dans sa présence et de se connecter dans cette présence divine. Le jeûne, le siyam, le mois de Ramadan, la zakat et le hajj, de faire le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'une maison, il faut qu'il y ait un habitant. Et la deuxième partie de la religion, c'est Al-Iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhiri wa bil qadri al-qayyim. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le serviteur, le Seigneur tout-puissant. De croire aux anges, de croire aux livres révélés, de croire aux prophètes, de croire au jour du jugement et de croire à la prédestination. Ça, c'est les six niveaux. Et la troisième partie, al-ihsan, l'excellence. La partie de l'excellence, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala te voit dans chaque chose que tu fais. Et nos mashaykhs nous ont enseigné, celui qui rentre dans cet état de ihsan, de l'excellence, il devient al-Rabbani. Et quand il dit quelque chose, soit kun fayakun. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce secret de kun fayakun. Et tout ce qu'ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exauce. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie de la foi. Aujourd'hui, le monde musulman, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses sahaba, ne dites pas que vous êtes des croyants, dites que vous êtes des musulmans. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, de la fin des temps, on dit on est des croyants. Imagine, au temps des sahaba, au temps du prophète, il a dit aux sahaba, dites que vous êtes des musulmans. Musulmans. La foi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ta foi ne serait jamais aussi complétée tant aussi longtemps que tu n'aimes pas plus que toi-même. Et je me pose, à chaque fois j'essaie de voir, de me rappeler de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, je le dis.
pour pouvoir me rappeler et de me dire, jusqu'à présent, tu n'aimes pas le prophète plus que toi-même. Alors, si ça c'est la foi, ta foi ne sera pas complétée tant aussi longtemps que tu n'aimes pas le prophète plus que toi-même. Alors, la foi, l'iman, c'est l'amour. L'amour du Seigneur Tout-Puissant. L'amour de son bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a compris ça, parmi les Sahaba, c'était Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'on lui a dit c'est l'ombre du prophète. Alors l'ombre, toi et ton ombre, vous êtes pareil, c'est deux gouttes d'eau, une même goutte d'eau. Et il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point les sahaba décrivaient l'amour de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq comme une foi grillée. On sentait l'odeur de la foi grillée quand il respirait. Et celui qui est appelé le compagnon fidèle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Rasoul, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous voulez voir quelqu'un qui est mort avant sa mort, regardez Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et comment Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq est arrivé à cette station? Juste l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car cet amour lui a permis de s'oublier lui-même. Il s'est anéanti dans cet amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est anéanti dans l'océan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son moi, il a laissé dans l'océan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq n'existait plus. C'était qui? Et Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout ce que Allah m'a donné, je l'ai mis dans le cœur de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et Mawlana Cheikh Nazim qaddasallahu sirruhu nous rappelle, et Mawlana Cheikh Hisham nous rappelle que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis la cité du savoir, et Sayyidina Ali est cette porte. Et dans la porte, il est Sayyidina Ali. Il dit, s'il y a une cité ou une maison, il y a une porte, et la maison doit être habitée. Et Mawlana Cheikh nous rappelle, la maison, cette cité, il y a quelqu'un qui est resté, qui est dans cette maison, qui est dans cette cité. Sinon, s'il est la cité du savoir, une fois que tu rentres par la porte, où est-ce que tu vas aller trouver le savoir dans cette cité, même s'il y en a? Il te faut un guide pour te guider, te dire que telle connaissance est là, telle connaissance est là, telle connaissance est là, telle connaissance est là. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mawlana Cheikh nous rappelle que la personne qui est là-bas, c'est Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, le compagnon fidèle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sahaba. On parle de Sayyidina Abu Huraira, Sayyidina Zubayr, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina. Mais on parle moins, peu, de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Il était le compagnon fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour dans un hadith, et dans ce hadith, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à son serviteur, s'il veut rester dans cette vie ou s'il veut rejoindre Allah. Et le serviteur a choisi d'aller dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, il a entendu ce hadith, il a pleuré. Et les sahaba s'est posé la question, pourquoi il pleurait? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la compréhension, la bonne et limpide compréhension à Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait son départ de ce monde. Et il a dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je dois prendre un ami en dehors d'Allah, ça sera Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq.
il m'a honoré de tout ce qu'il a. Ça, c'est la glorification du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Qu'est-ce que Allah dit? On parle de tous les niveaux dans les tasawuf, makamat, ceci, cela. Mais Allah, il a donné les makamat dans le Saint-Coran. Al-Nabi, Siddiq, Shuhada, wa Salih. Hein? Les stations. Soit on est Salih, soit on est Shuhada, soit on est Siddiq, Rasul, c'est fini. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Katim al-Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là maintenant, les trois qui restent, le Siddiq, il est à la fois Salih et il est à la fois Shuhada. Et c'est les quatre. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a appelé Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et on parle peu de lui. Et le prophète, il a dit, il m'a honoré, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Si je dois prendre un ami en dehors de moi, ça sera Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et qu'est-ce que le hadith dit? Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Subhanallah. Il a aimé le prophète. Il a donné sa vie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces hadiths, il a continué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à partir d'aujourd'hui, fermez toutes les portes de ma mosquée, excepté la porte de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Je n'ai jamais été l'ami à Médine, mais paraît-il que les portes sont toujours ouvertes. Alors, le prophète, il a donné l'ordre de fermer. Et sauf les portes. La porte de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Mais c'est métaphorique. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui veut venir dans ma présence, moi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit venir par la porte de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Il est le seul à être le pont entre moi et toute la création jusqu'à la fin des temps. Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. C'est pour cela qu'il a compris que la foi n'est autre chose que l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on aime quelqu'un, on l'appelle. Aujourd'hui, on a tous des cellulaires, même nos enfants ont des cellulaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si quelqu'un qui est amoureux, il appelle toujours. Chérie, tu es où? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je fais tête. Une heure plus tard, chérie, tu me manques. C'est vrai. C'est notre état de cœur. Mais celui qui aime le prophète, qu'est-ce qu'on fait pour dire au prophète, Ya Rasulallah, tu me manques. Ya Rasulallah, je t'aime. Ya Rasulallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mais on ne le fait pas. Voilà, le Cheikh Nazim nous a rappelé, il dit, glorifiez, priez sur le prophète. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites plus de salawat sur lui. Et celui qui aspire à atteindre la foi doit obligatoirement suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. L'islam, c'est fini, ça s'arrête là. La religion s'arrête là. La foi s'arrête là. La spiritualité s'arrête ici, dans ce verset. Allah dit Inna Allah. Et quand on lit ces versets, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma salli. N'importe quel salawat. Allahumma salli. Oh Allah, prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que nous, on ne prie pas sur le prophète. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut égaler cette prière, car il est le créateur de toutes choses. C'est le seul, comme disent au Québec, job qu'Allah il a. Allah, sa job, c'est de prier sur le prophète. C'est là son job. Et Allahumma, quand on dit Allahumma,
Nous prions, on ordonne, c'est un ordre qu'on est en train de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime ça. Qu'on lui demande de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Mashaykh nous enseigne? Il dit, celui qui donne une salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, 10 fois. Le Seigneur Tout-Puissant prie sur toi 10 fois. Celui qui fait 10, imaginez. Le Seigneur Tout-Puissant, 100. Alors l'islam c'est fini. Ta prière, est-ce qu'Allah prie sur toi pour 10 fois? Si tu fais le salat, le salat tu le fais pour qui? Pour toi-même. Le hajj tu le fais pour qui? Pour toi-même. Les bonnes actions tu le fais pour qui? Pour toi-même. Et quand tu fais une salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit je fais 10. Et imaginez juste, assieds-toi et imagine 10 salawat ou 10 prières de subhanahu wa ta'ala sur toi. Est-ce qu'il y a une prière sur Allah subhanahu wa ta'ala sur nous? Est-ce que le jour du jugement on va rentrer en enfer ou on va rentrer au paradis? Juste imagine le Seigneur Tout-Puissant prie sur toi. C'est la clé de la réussite de la spiritualité et de l'islam. Quand tu fais salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il fait 10. Tu fais 10, il te fait 100. Tu fais 100, il te fait 1000. Et prier, nous devons continuer à prier sur le prophète jusqu'à ce que cet amour rentre dans notre cœur et qu'on devient des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que notre, on voit que notre être est à propos du prophète, cette lumière de Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les sahaba, ils ont été chanceux. Ils ont vu le prophète. Nous, malheureusement, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est à côté. Et imagine, Maulana Cheikh nous enseigne, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis, il a dit, si vous aimez Allah, regardez, Allah il a dit, si vous aimez Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous aimez Allah? Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous aimez Allah, suivez le prophète. Allah, il a posé comme condition sine qua non, son amour à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous aimez Allah? Suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons suivre. Comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, pour notre temps, Allah nous a honorés avec les héritiers de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est toujours présente. Si ce n'est pas la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la terre ou cet univers ou la création en entier disparaîtra. Car toute chose a été créée à partir de la lumière de Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'islam. L'islam est né avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an est né avec la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'islam, il est le Qur'an. Car il a dit, quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yasin. Yasin c'est qui? C'est Ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela quand on dit Yasin, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent Yasin c'est le cœur du Coran. Alors si on enlève le cœur de quelqu'un, enlevez Yassine dans le Coran. C'est le cœur du Coran. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est la foi. Celui qui cherche la foi, ne cherchez pas à lire des centaines de bouquins pour chercher la foi ou de pouvoir comprendre la foi. Assieds-toi, faites les salawat. Et Allah subhanahu wa ta'ala te mettra la foi dans ton cœur. C'est la seule façon de t'atteindre Allah. Car il est le pont, al-sirat, al-sirat al-mustaqim. Il est le pont entre Allah et ses créatures. Nous devons monter sur ce pont qui est le pont de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit surat al-Fatiha, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-ni sur le droit chemin. C'est qui le droit chemin? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous devons même... N'essayez pas de faire 1000 salawats par jour ou 2000 salawats par jour. Après demain, vous ne pouvez plus faire. Juste 5, 7, 10. Le plus grand miracle, c'est la constance.
Si on arrive à garder cette constance et qu'on a, si on garde cette constance, et on arrivera. Même si tu nous donnes une cuillère, de creuser un trou avec une cuillère, avec la constance, on va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on arrivera. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour de son bien-aimé. Qu'il nous donne l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous donne l'amour de Mashaykh. Car ils sont les gardiens de cette réalité de Muhammad. Les gardiens et les héritiers de cette réalité. On a besoin d'eux. Ils sont 124 000 Aouliya. Et sur ces 124 000, ils sont 313, qui sont les héritiers des 313 des Sahaba et les héritiers des 313 prophètes. Ils sont 124 000. Et sur les 124 000, il y a un qu'on appelle le sultan Aouliya, qui est Al-Khalifatullah. Khalifatullah qui nous représente yani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Cheikh Mohamed Abdallah, Cheikh Abdallah Daristan, il a dit, Inch'Allah, le Cheikh Nazim, il a dit, ne regardez pas Mohamed Cheikh Nazim, il représente le Tajalli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il représente, quand il parle, ne le regarde pas que Mawlana parle, Cheikh Nazim parle. Il représente Allah. Tout ce qui vient à lui, vient de subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes chanceux d'être affiliés à ces gens d'Aouliya. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Qu'il nous guide vers tout ce qui nous guidera vers lui. Amen. Qu'il nous éloigne de tout ce qui nous éloignera de lui. Amen. Qu'il nous protège de nous-mêmes. Qui nous protège du shaitan, qui nous protège de la dunya. Qui nous protège de la dunya, qui nous protège de nos mauvaises manières, qui nous protège de nos mauvais caractères. Par la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par la baraka de Awliya Salihin, et par la baraka de Salat al-Naqshbandiyun, et l'Ashraf al-Nabi, Siddiq Salman Qasim, Jafar, Taifur Abu al-Hassan Abu Ali. Yusuf Hamadani, Abu al-Abbas, Abdel Qali, Karif, Mahmoud Ali, Mohamed Baba Sama, Sese, Amir Kulal, Shah Naqshband, Alaoudina, Atar Yahu, Weidullah, Mohamed Zahi, Derwish Mohamed Kamajan Kanaki, Mohamed Al-Bakhi, Ahmed Al-Farouk, Mohamed Masoud, Seyfuddin, Nour Mohamed Abibullah, Abdallah Sheikh Ali, Sheikh Ismail, Khas Mohamed, Mohamed Al-Fandal Yarali, Seyyid Jamal bin Ghomoui Al-Hussein, Abu Ahmed Al-Sudouri, Abu Mohamed Al-Madani, Sheikh Sharafuddin, Dagestan, Sultan Aouya, Sheikh Abdullah Fazi, Dagestan, أستاذنا وسيدنا شيخ المشايخنا رباني سلطان أولياء الشيخ محمد بن عزيز الرقم يا صاحب الإمداد يا صاحب الإمداد يا صاحب الإمداد يا إمام مهدي عليه السلام شرف الفيداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني إمام العارفين لسان المتكلم من عرفت يا برهان غرام غوث الأنام يا صاحب الزمان يا صاحب النسور يا رجال الله يا نكبان جبا عبد الله أوتار أخيار أبدان إشرافيون ببركة الكتب المتسعين صاحب الأمدد الحق شام حبيش الكباني يا سيدنا عبد القادر الجيلاني يا سيدنا مهدي ابن ربي يا سيدنا احمد الفاي يا سيدنا احمد التجاني يا سيدنا ابو الحسن الشادلي يا سيدنا ابن المشيش ببركه سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي يا سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا اسرافيل سيدنا اسماعيل سيدنا مالك سيدنا رضوان ببركه النبي صلى الله عليه وسلم ببركه اهل البيت يا سيدنا فاطمه الزهراء يا سيدنا علي يا سيدنا امام حسن يا سيدنا إمام حسين يا سيدنا إمام علي زين العابدين يا سيدنا إمام محمد الباخر يا سيدنا إمام جعفر الصديق يا سيدنا إمام موسى القاسم يا سيدنا إمام علي رضا وصاري وصلاتنا ببركة شهر المحرم ببركة أشهر الفاتحة آمين تقبل الله الله